Méditation du 4 septembre. La passion de l'enseignement. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Proverbe 15, verset 2, version Louis II. Angeles Mastretta est une écrivaine mexicaine célèbre. Je l'ai rencontrée en Colombie alors qu'elle intervenait dans un colloque très intéressant. Quelqu'un lui a demandé comment promouvoir la lecture chez les jeunes. Elle a répondu, un enseignant passionné par les livres peut captiver l'attention de ses élèves. Je l'ai écoutée avec une grande émotion en acquiesçant de la tête. Il n'y a rien de plus efficace que la passion d'une personne qui se donne du mal pour enseigner. De même, si un jeune a de la passion et de l'enthousiasme pour les études, peu importe ce qu'il apprend, il arrivera aussi loin qu'il le veut. Cette motivation dépend d'abord de l'attitude de l'enseignant, plus que de l'usage d'ordinateurs et des nouveaux outils technologiques. Quelqu'un peut enseigner dans une salle de classe équipée de la technologie la plus avancée et détruire chez les élèves le désir d'apprendre les mathématiques, la littérature, les lettres ou l'histoire. À l'opposé, même s'ils exercent dans des environnements difficile et dans des conditions lamentables, il y a des enseignants qui parviennent à passionner leurs élèves, quelle que soit la matière. Quand j'étais élève au lycée, l'un de mes professeurs de mathématiques a réussi à rendre son cours passionnant. J'avais souffert dans cette matière par le passé, car j'avais eu des professeurs doués pour présenter les mathématiques de façon compliquée. Pourtant, c'est l'un des champs les plus intéressants du savoir. Mais cette année-là, un nouveau professeur est arrivé et il a su nous faire entrer dans ce monde magnifique des mathématiques. L'attitude de ce professeur a poussé plusieurs jeunes à se tourner vers les sciences, un secteur vital pour toute société. Je crois que quelqu'un qui n'a aucune passion pour l'enseignement ne devrait pas être professeur. En réalité, la matière dont on enseigne révèle le caractère. Un bon professeur fera des mathématiques, de la littérature ou des sciences un vrai plaisir pour ses élèves, même si ce n'est pas immédiat. Une graine semée dans le cœur d'un jeune donnera toujours du fruit. Connais-tu un professeur passionné par l'enseignement? Profites-en. À l'instant de l'enthousiasme qu'il met dans son travail, toi aussi donne le meilleur de toi-même. Tout le monde se retrouve à enseigner quelque chose à quelqu'un à un moment donné de sa vie, en particulier si on a des enfants. C'est pourquoi il est important que tu te souviennes que ton comportement lorsque tu enseignes révèle ton caractère. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.